Sans plus tarder, je vous invite, mes frères et sœurs, à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre un autre aspect de Jésus-Christ. Et cet aspect-là, nous allons le comprendre dans Jean chapitre 10. À partir du verset premier, nous parcourons les 14 ou les 15 premiers versets de ce chapitre 10 de l'Évangile selon Jean. Chapitre 10. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis, en, en, les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne, qu ne, qu ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te bénissons encore, Père, ce matin. Merci pour ce passage, Seigneur, de ta parole qui nous montre que tu es notre bon berger et que c'est toi seul, ô oh Dieu de gloire, qui nous mène dans de verts pâturages. Tu nous fais reposer dans tes verts pâturages à toi. Et ce matin, nous voulons saisir cela dans notre cœur, comprendre qu'il n'y a point d'autre sauveur, qu'il n'y a point d'autre rédempteur, qu'il n'y a point d'autre Dieu, qu'il n'y a point d'autre libérateur. Tu es le seul vrai sauveur et Seigneur de notre vie. C'est toi qui as bâti ton Église sur terre. Ce n'est point un mercenaire. Ce n'est point Satan ou les hommes, mais c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous voulons te remettre toutes nos vies et toutes nos pensées. Nous voulons que tu sois notre véritable guide. Viens prendre toute la place maintenant, Saint-Esprit. Viens gérer, diriger tout ce que nous sommes. Et que tout autre esprit qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas, soit lié et chassé hors de ce lieu maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous rendons toute pensée captive à la pensée du Christ. Et que Seigneur mon Dieu, tout soit dirigé, contrôlé, soutenu par ton Esprit Saint. Saint Esprit, glorifie encore Jésus-Christ dans nos vies ce matin. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Lorsque nous cherchons à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un aspect important de sa personnalité que nous devons, nous devons découvrir à chaque instant de chaque jour de nos vies. Cet aspect, c'est qu'il est le berger. Le berger de nos vies. Le berger de tout ce que nous sommes. Il est le bon berger. Jésus se présente lui-même comme un berger. Il dit, je suis, je suis. Le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'on a lu au verset 11. Il ne vient pas seulement pour conduire ses brebis, mais il donne sa vie. Il se donne entièrement pour ses brebis. Et le verset 14 dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. J'aime bien, notre frère tout à l'heure a dit, il est bon de connaître Jésus-Christ. Et je crois qu'il est bon que nous connaissions notre bon berger. Parce que lui, il nous connaît, il sait comment nous sommes. Il sait comment nous vivons, il sait comment nous marchons. Dans ce chapitre 10, Jésus précise la relation. Il précise la relation qui existe entre lui et ceux qui croient en lui et qui lui appartiennent. Car il ne suffit pas seulement de croire de manière théorique en Jésus-Christ. Notre foi doit nous conduire à accepter qu'il soit notre Seigneur. Notre foi doit nous conduire à accepter qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Celui à qui appartiennent et à qui nous appartenons, puisqu'il a donné sa vie pour nous racheter, selon ce que nous disent les Écritures, il s'est offert. Il a accepté de porter le propre qui nous était dû. Il a accepté de devenir malédiction à cause de nous. Et la condamnation qui nous était due s'est abattue sur lui. Lui, le bon berger. Car vous avez été rachetés, comme nous dit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés à un grand prix. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devrions aussi le glorifier dans notre corps et dans notre esprit et dans tout ce que nous sommes. Et lui dire Seigneur, merci. Parce que nous étions tous voués à la mort. Tous, sans exception. Tous. Tous, nous étions voués à la mort. Comme nous dit Romains chapitre 3 verset 23. Mais c'est par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Rien d'autre n'aurait pu nous sauver ou nous libérer. Il a fallu que le bon berger vienne se donner pour nous. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple, un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Tite, chapitre 2, verset 14. Tite 2, 14. Jésus se présente comme le bon berger d'une assemblée d'hommes et de femmes qu'il s'est acquis au prix de son propre sang, pour en faire un troupeau qui lui appartienne, dont il va prendre soin, dont il va paître lui-même, sur lequel il veille constamment, qu'il protège, qu'il défend et qu'il conduit dans les choses les meilleures. Amen. Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour souffrir. Nous pouvons prendre l'exemple des bergers qui, sont dans, dans le monde. Moi, j'ai eu, eu fait cette expérience de pouvoir suivre un, un, un berger et, et son troupeau, son cheptel. J'ai essayé de comprendre la vie d'un berger. Je ne suis pas berger. Moi, je suis né en ville. J'ai grandi en ville. Et je n'avais jamais connu la campagne de ma vie. Je n'avais jamais été en campagne. Et même en France, ici, je n'avais jamais été dans une campagne française. Parce que j'ai grandi, certes, dans une petite ville, mais je n'avais jamais été en campagne voir comment un berger s'occupe de ses brebis. Et j'ai voulu vivre cette expérience. J'ai voulu comprendre c'est quoi un berger, voir comment un berger s'occupe de son cheptel. Et je suis allé voir comment ce berger-là, dès le matin, Comment il se lève et comment il va, visiter, il va rendre visite à son troupeau. Premièrement, quand il entre, les, déjà le, les brebis commencent à bêler parce qu'elles ont vu, ils, ils savent, elles savent qu'elles vont sortir tout de suite. Elles savent que là, le maître est venu, le berger est venu et il va nous sortir à les paître. Et sans doute, il ne nous amènera pas dans un endroit où nous allons pleurer, dans un endroit où nous allons gémir, dans un endroit où nous n'aurons rien dans un endroit où il n'y aura pas bois ou bien il n'y aura pas d'herbe pour que nous puissions euh, 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 brouter tranquillement et nous reposer. Et j'ai vu ce berger-là aller vers ses brebis, ouvrir, euh, euh, ouvrir l'enclos le, 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 et faire sortir ses brebis. Et au fur et à mesure où il faisait sortir ses brebis, il les regardait et il l'observait. Il les touchait pour voir si elles étaient malades ou si elles avaient un problème, ou s'il y avait des puces, ou si ou bien elles se sont peut-être battus ou si il y a eu un souci entre elles, ou s'il y a eu quelqu'un, quelque chose qui s'est passé dans l'enclos. Peut-être qu'un renard est venu pour essayer de les manger. Peut-être qu'un loup est passé par là pour essayer de venir tuer ses brebis. Donc il essaye, il vérifie, il regarde tout ça et il les compte. Et il essaie de voir s'il en manque une. S'il n'en manque pas, il les fait sortir. Et il regarde les faibles qui sortent toujours en dernier. Il les suit, il les observe. Et s'il voit qu'il en manque une, il, est peut il a peut-être fait sortir toutes, mais il se rend compte qu'il en manque une ou deux. Et il commence maintenant à les chercher. Il dit, mais je n'ai pas vu Paul aujourd'hui, et je n'ai pas vu Jean, et je n'ai pas vu Pierre. Qu'est-ce qui se passe Où sont-ils Et qu'est-ce qu'il fait il, il regroupe son troupeau, il regroupe son troupeau quelque part, et il va rechercher Paul, Jean et Pierre. Là où ils sont. Pardon. Et il fait tout pour les ramener au troupeau et les amener paître. Et j'ai vu cet homme avec ses deux chiens et qui guidait, qui protégeait aussi ses, ses brebis. J'ai vu comment il repartait dans l'enclos, allait regarder. Peut-être qu'il y a une qui, est qui a été mordue par un, un serpent ou il y a eu un problème. Il regarde, il observe, il fait tout pour essayer de voir si elles sont en peine, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, il revient et dit Nous pouvons partir maintenant. Nous pouvons partir maintenant. Il n'y a pas de problème. Mais il les amène au loin. Et les brebis doivent le suivre qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elles vont le suivre, où qu'il aille. Et des fois, il y a des montées, il y a des, 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 des montées avec des, des, des pierres, il y a des descentes aussi glissantes pour essayer d'aller euh, abreuver sa, sa, son septel, ses brebis. Il y a des moments où peut-être il se dit, ah, cet endroit-là, j'étais là hier, et là, il n'y a plus d'herbe, là. Il faut que j'aille encore un peu plus loin, à 5 km ou à 10 km pour trouver de l'herbe, et il va le faire. Il va amener ses brebis. Les brebis, qu'elles le veuillent ou pas, vont suivre. Elles vont le suivre, amen. Et il n'y a pas moyen. Elles ne pourront pas s'arrêter en chemin. Et même si elles s'arrêtent en chemin, que va faire le berger Il va d'abord envoyer les chiens, aller chercher Pierre. Tiens, il y a Paul qui se garde de l'autre côté. Cours vers Paul, va chercher Paul. Tiens, regarde, il y a Jean qui est en train d'aller trop loin là. Nous, nous sommes encore ici, mais lui, il essaye d'aller un peu plus vite que nous. Ramène-le ici. On ne sait jamais, il doit avoir un loup plus loin là-bas. Alléluia. Vous voyez l'amour de ce bon berger pour nous. Vous voyez combien il est bon, combien il est merveilleux. Il n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Il ne les laisse jamais choir, il ne les laisse jamais tomber, il ne les laisse jamais en peine. Il vient toujours pour faire, il fait tout, il fait tout pour que ses brebis, sa brebis, soit heureuse. Il fait tout parce qu'il nous a tellement aimés et parce qu'il aime, il aime voir sa brebis heureuse, gambader, sauter, bêler, mais. Pas belle seulement parce qu'elle parce qu a mal, mais belle parce qu'elle est heureuse, elle est joyeuse. Et notre Père, c'est cet amour-là qui nous a témoigné et nous témoigne chaque jour. Le bon berger. Le bon berger connaît ses brebis. Il connaît ses brebis. Il nous connaît tous le bon berger. Il connaît nos peines, il connaît nos douleurs, il connaît il, il sait tout ce qui nous rend malheureux ou honteux, il sait quand ça ne va pas, il sait quand ça va. Et je ne vois pas le bon berger se mettre de loin et regarder ses brebis comme ça de loin. Seulement, il dit ah, ouais d'accord, d'accord, elles sont là. Il va, il prend chacune et il regarde il regarde s'il n'y a pas de puce, il regarde s'il n'y a pas de blessure, il regarde s'il n'y a pas une, un, 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 un pied cassé, il regarde s'il n'y a pas euh, peut-être un, 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 un moment donné, il y a eu, euh, il, a mal, il a mal quelque part, il regarde tout ça. Le bon berger les connaît. Et la connaissance que le Seigneur a des brebis est parfaite et personnelle. C'est une Connaissance personnelle. Dieu nous connaît. Le bon berger nous connaît tel que nous sommes. Il connaît les brebis fortes. Il connaît les brebis galeuses. Il connaît les brebis sottes. Il connaît les brebis obéissantes. Il connaît tout. Il sait tout. Il sait que ah, si aujourd'hui je laisse euh, Juliette aller toute seule, ça risque qu'il y aura un problème. Il faudrait que je, je l'amène un peu près, plus près de moi. Ah, tiens, je vois le petit là aujourd'hui, cette petite brebis là. Hier, elle était un peu très mouvementée. Il faut que je la prenne sur mes épaules et je vais l'amener moi-même. Hier, oh, j'ai vu euh, Emmanuel. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Tu es malade, il y a un problème, il y a un souci. Qu'est-ce qui ne va pas Qui t'a causé des problèmes Viens, je veux te prendre avec moi. Tu n'arrives pas à marcher aujourd'hui, tu as un problème. Voilà le bon berger. Voilà le bon berger. Il est dit lui-même, tous ceux qui viennent, qui sont venus avant moi, ne sont que des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi ne sont que des voleurs et des brigands. Le bon berger vient pour donner sa vie. Le bon berger vient pour libérer là où tu te sentais mal. Le bon berger ne vient pas condamner ses brebis. Parce que s'il condamne ses brebis, c'est foutu. Il n'aura plus de cheptel. Il n'aura plus de bergerie. Ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'il fait Certes, il va les gronder. Certes, il va penser. Vous savez, quand le berger pense la blessure de sa brebis, ça fait mal. Ça fait mal. Elle va bêler tellement fort. Mais oui, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien c'est pour qu'elle soit heureuse, c'est pour qu'elle soit forte. Mais il fait ça afin que sa brebis puisse mieux le connaître et marcher avec lui toujours. Il ne connaît pas notre nom et cette connaissance est réciproque. Nous devrions connaître Jésus-Christ comme notre bon berger, comme notre guide. Il dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nous devons suivre cet unique chemin. Il n'y a point d'autre chemin. Il n'y a point d'autre chemin. La Bible dit dans Actes chapitre 4 au verset 12 ceci. Il est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a point d'autres noms, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. On n'a pas dit c'est Confucius, on n'a pas dit c'est Mohammed, on n'a pas dit c'est Allah, on n'a pas dit c'est tel ou tel ou tel, mais on a dit c'est Jésus-Christ. Il est notre chemin, il est le bon berger, l'unique bon berger. Il y a des bergers partout. Il y a des bergers partout. Mais le bon berger, il n'y en a qu'un. Alléluia, il n'y en a qu'un. Et nous faisons partie de son cheptel. Nous faisons partie de sa bergerie. Et c'est pourquoi nous devrions marcher dans son obéissance, en faisant sa volonté. Nous devons marcher comme lui, il voit bon qu'on doit marcher. Il est le chemin. Il est le chemin. Quand tu es malade, tu ne vas pas boire une autre brebis. Tu vas bêler pour appeler le berger. Alléluia. Quand ça ne va pas, tu vas bêler et le chien même va commencer à aboyer pour dire Maître, 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 il y a une brebis qui est malade. Ou bien son pied son est pied coincé quelque part là. Viens vite parce que moi je ne peux pas. J'ai essayé mais je n'arrive pas. Et le bon berger arrive en courant dans ta peine, dans ta douleur, dans tes faiblesses, dans tes soucis, dans tes pleurs, dans tes joies. Qu'est-ce qu'il fait Il vient te libérer, il vient te remplir de joie. Vous avez déjà vu, quand, supposons, tu as une épingle ou une aiguille dans la main, ça fait mal, tu souffres. À un moment donné, on t'enlève cette aiguille. Quelle joie. C'est ce que fait le bon berger dans la vie de tout un chacun de nous. C'est pourquoi il est bon de le connaître comme lui, il nous connaît. Il désire que nous soyons obéissants, que nous obéissons à sa voix. Quand nous n'obéissons pas, parce que ça arrive des fois, où nous n'obéissons pas à la voix du bon berger et que nous voulons faire ce que nous voulons courir, gambader, sans doute ailleurs, au lieu de suivre le troupeau, au lieu de rester, de se reposer dans ces verts pâturages là où il nous a menés. On veut peut-être aller un peu plus loin. Et là, il y a souvent des problèmes, il y a souvent des soucis. Parce que des fois on s'égare. Sans doute, le maître, hier, tu as voulu t'égarer, il t'a donné un petit coup de bâton. Sa houlette, il te l'a tendu, t'a tiré peut-être fortement et ça t'a fait un peu mal. Et tu te rebelles, tu dis, il m'a fait mal hier. Moi, je ne veux plus que sa houlette me tire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu commences à bouder, et tu vas marcher tout seul. Et tu es là, tout seul, la tête baissée, tu marches, tu marches. À un moment donné, tu entends un grognement à côté. C'est le loup. C'est le loup. Et tu te dis non. Et un moment donné, tu dis, mince, comment faire pour fuir la seule solution, c'est de crier, Seigneur, n'est-ce pas Parce qu'il n'y a que ça qui va porter, parce que tu ne pourras pas aller plus vite que le loup. Il y a, la seule solution, c'est, bah! <laughs> je me mets à la place des brebis. <laughs> c'est souvent comme ça. Seigneur, au secours. Le loup est là, le problème est là, le souci est là, la maladie est là. Viens, j'ai besoin de toi, ça ne va plus. Et le bon berger, quand il va entendre ta voix, parce qu'il connaît le son de ta voix, il connaît l'intonation de ta voix. Quand tu vas bêler, c'est avec joie, tu dis, oh maître, mon seigneur. Mais quand tu vas crier tellement fort, Bé, à, à tes gosiers, il va dire ah ah, 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 ah ah il y a un souci là-bas il faut que j'aille vite Mais quand il va venir vers toi pour te délivrer parce qu'il va d'abord chasser il va d'abord te laisser là il va chasser l'ennemi alléluia il va dire non je ne veux pas que tu touches à moi brebis il va combattre l'ennemi il va dire, hé, hey, c'est ma brebis, elle m'appartient et elle connaît ma voix. Elle ne connaît pas ta voix parce que tu n'es qu'un brigand, un voleur et un tueur. Tu viens pour égorger. Alors qu'est-ce qu'il fait Il le combat d'abord. Après, il vient te pouponner. Mais des fois, quand il vient pour combattre l'ennemi, tu crois qu'il t'a abandonné. Non, il est au combat parce que c'est lui qui combat pour toi. La brebis ne peut pas combattre. La brebis ne peut pas lutter contre le loup. Ce n'est pas possible. C'est lui qui va venir avec son épée ou bien avec son bâton et celui qui va chasser l'ennemi. Celui qui va dire, hé, hey, ne touche pas ma brebis parce qu'elle est frêle. Mais des fois, la brebis veut bêler doucement. Ben, Essayez de combattre le loup. Mais ça ne va pas. Quand elle se prend un coup de croc, elle dit Hey, il est vraiment dangereux. Hein Mais tu as déjà pris un coup de croc. Il y a déjà une blessure. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en rançon pour tout un chacun de nous. Et tu es sa brebis. Tu lui appartiens. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Celui qui combat pour toi quand l'ennemi vient. Tu ne peux pas combattre. Tu es frêle face à un loup. Ce n'est pas possible. Il est très dangereux. Tu ne peux pas. Et qu'est-ce que fait la brebis dans ces cas-là? Elle va encore bêler parce qu'elle est blessée. Bah! Et là, le maître va dire Oh là là, il y a danger là-bas, vraiment. Il va arriver en courant avec ses chiens. Et les chiens vont bloquer le loup. Et lui, il va prendre son bâton pour frapper le loup. Et les chiens vont courir de gauche à droite. Le loup est bloqué. Qu'est-ce que le loup fait Il prend la fuite. Alléluia. Et la victoire est pour toi. Mais des fois, dans cette victoire, tu te dis Il m'a laissé. Pourquoi Il est en train de combattre. Il veut que tu comprennes Je suis en train de combattre. Ne t'effraie pas. Ne fuis pas, ne pars plus ailleurs. Je suis venu. Reste tranquille. Certes, tu as eu la blessure, mais laisse-moi d'abord combattre celui-là qui te combat. Laisse-moi détruire celui-là qui veut te détruire. Laisse-moi tuer celui-là qui veut te tuer. Laisse-moi euh, euh, donner un bon coup de poing à celui-là qui veut te donner un coup de poing. Laisse-moi, chien, mordre celui qui t'a mordu. Et il comprendra que mordre n'est pas bien. Surtout à ma brebis. Et là, quand il a fini, il vient dire Viens maintenant, je vais panser cette plaie. Et il pense ta plaie. Il commence à te soigner. Oh, ça fait mal l'alcool. Oh, comme elle bande. Mais il va te dire Tu as vu Je t'avais dit de rester auprès des autres. Pourquoi tu vas toute seule Tu ne peux pas. De toi toute seule, c'est pas possible. Il fallait que tu restes là pour recevoir de moi cette grande, cette grâce qui est toujours. Je te couvre. Même si tu vas au loin, certes, tu es au loin, mais ne t'éloigne pas. Je veille sur toi. Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce qu'il est bon, notre Seigneur? À combien plus fois de raison nous devrions lui faire confiance? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit juste, hey, foi quand je te fais sortir de la bergerie pour t'amener paître. Aie hey, foi, sache que je veux t'amener dans un endroit bon, paisible, pour que tu sois en paix. Je ne t'amènerai pas là où il y a des crocs. Je ne t'amènerai pas là où tu vas souffrir. Je ne t'amènerai pas là où tu vas pleurer tous les jours. Mais je t'amènerai là où tu seras heureux, heureuse. Aie hey, confiance, aie hey, foi en moi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et foi en lui, dans ton problème là, dans ton souci, dans cette maladie qui te ronge. Vous avez vu, la femme a la perte de sang depuis 12 ans. Ça prouve qu'il guérit encore notre Seigneur. Le bon berger guérit. On peut prendre l'exemple de Lazare. Il était mort. Il ressuscite les morts. Confucius peut le faire Mohamed a pu le faire Personne n'a pu faire cela. Le seul qui ressuscite les morts, c'est Jésus-Christ. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ. Dans cette maladie, il veut que tu aies confiance. Dans ce problème, il veut que tu aies confiance. Dans ce souci, il veut que tu aies confiance. Dans ce moment terrible... Il veut que tu aies confiance, Aie confiance, moi je suis le bon berger. Tous ceux qui sont venus avant moi ne sont que des voleurs, des brigands, des voleurs et des brigands. Jésus Christ est le bon berger, et je peux vous dire qu'il est venu vers les brebis perdues. Parce que nous étions tous perdus. Et il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour te délivrer de, cette, de, de, de cet ennemi et de toi-même. Et de toi-même. Tu ne peux plus avoir totalement confiance en toi plus que Dieu. Ce n'est pas possible. Esaïe 53, verset 6 dit Nous étions tous errants comme des brebis chacun suivait sa propre voie. Comme je l'ai dit, je suivais ma propre voie avant. Je faisais ce qui me plaisait, je gambadais où je voulais. Il a fallu que le bon berger vienne me montrer, me démontrer, nous démontrer à tous qu'il est le seul chemin. Et parce qu'il est le seul chemin, alors la victoire est totale. Parce que nous suivons son chemin. Il est celui qui... Redonne la vue à celui qui n'a plus, de, 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 même des yeux, celui qui ne voit plus. Il est celui qui refait entendre ceux et celles qui n'entendent plus. Il est le seul qui est capable de nous apporter la joie, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Il est le seul qui peut nous donner tout ce que notre cœur désire. Son rôle, proprement dit, c'est de, de nous rechercher chaque jour. Il nous appelle chaque jour. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, quelle est ta peine? Quel est ton souci? Quel est ce lourd fardeau que tu portes chaque jour? Quel est ce lourd fardeau que tu transportes, que tu n'arrives pas à te, à te décharger? Il te dit, s'il te plaît, viens, donne-moi cette peine. Comme cette brebis qui vient pleurer, qui vient bêler parce qu'elle a mal, parce qu'elle souffre, parce qu'il y a des puces qui n'arrêtent pas de manger son corps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va bêler, elle va essayer de se gratter, mais ça ne va pas. Autant elle se gratte, autant elle essaye, autant il y a des plaies sur elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait la brebis Elle appelle son berger. Mon berger, viens m'aider s'il te plaît. Je n'en peux plus. Et c'est pourquoi le bon berger vient. Il nous scrute, il scrute le fond de notre cœur. Il scrute ce que nous sommes. Il regarde au plus profond de nous pour voir s'il y a ces puces là qui viennent nous manger chaque jour. Et parce qu'il vient, il y a quelque chose qui se produit, il commence à mettre du produit sur nous pour que les puces s'en aillent, pour que tu n'aies plus mal, pour que tu ne souffres plus. Alléluia. Et c'est vrai, ces produits-là, des fois, semblent bizarres. Ça fait bizarre, ça fait peut-être mal, ça pique les petites plaies. Oui, Alléluia, mais demain, tu, seras, tu es guéri. Demain, tu n'as plus de problème parce que tu lui as confié ton problème. Aujourd'hui, ce matin, ton problème, Dieu le veut. Le bon berger le veut. Il veut que tu lui donnes tout ce qui te semble si bizarre. Tu as peut-être cherché des solutions ailleurs. Tu as peut-être allé de gauche à droite, chercher un autre berger. Il y a des bergers partout. Mais il y a un seul bon berger. Alléluia. Il y a un seul bon berger. Il y a des bergers partout. Mais le seul qui est capable de te soigner, de te délivrer, de te libérer, de te guérir, de t'apporter ce que ton cœur désire, c'est celui qui a dit dans le psaume 23 que nous connaissons tous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai d'eux. Je ne manquerai de encore une fois, je ne manquerai d'eux. Il me fait reposer dans de verre. Il me dirige près des eaux. Il me restaure, il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de là. À cause de quoi À cause de... Ne pouvons-nous pas donc faire confiance à celui-là qui est capable de faire tout ça Et il va même encore plus loin. Il dit, tu lui dis, ta houlette et ton bâton me... Tu dresses devant moi. En face de qui tu oint d'huile et ma coupe. Oh, alléluia. Oui. Et j'habiterai. Jusqu'à quand Non, jusqu'à maintenant seulement. Jusqu'à la fin des... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu vivant Alléluia. Il est si bon! Il est si bon! Il est si bon, notre Dieu! Quelle est dans ta peine? Quelle est dans cette peine qui te rend si malheureux, si malheureuse? Quelle est dans ce souci? Quelle est dans cette maladie? Viens lui donner ce matin. Viens bêler auprès de lui. Bê, bê. Bon berger, me voici. Bon berger, ma souffrance. Bon berger, ma douleur. Bon berger, la maladie. Bon berger, j'ai faim. Bon berger, j'ai soif. Bon berger, je n'ai rien. Bon berger, je veux me reposer. Il dit Viens bêler ce matin. Viens bêler auprès de lui. Parce qu'il veut que tu l'appelles. Vous savez, je vais terminer par là. Il peut y avoir des, des bergers unis partout. Et. Ces bergers la s'unissent quelque part et ces bergers laissent leurs brebis ensemble. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu trois bergers. Ils avaient leurs brebis unis. Mais au moment de partir, le soir, j'ai été surpris de voir ça. Au moment où le berger qui m'avait amené auprès d'eux a sifflé, il a juste sifflé. Toutes ces brebis se sont mises en rang. Il a sifflé. Elle connaît sa voix. Elle connaît sa voix. Alléluia. Elle connaît sa voix. Et ce matin, il faut que tu connaisses aussi sa voix. Jésus-Christ t'appelle à lui ce matin. Les autres, les, les autres brebis ne sont pas allées vers les deux autres. Les brebis de ce, de ce, de ce, de ce, de ce berger qui m'avait amené ne sont pas allées vers les deux autres. Quelque chose s'est produit. Il a juste sifflé. Vous. L'autre avait un sifflet aussi. Elles se sont rangées. Ainsi de suite. Chacune des brebis a pris sa place pour suivre son berger. Alléluia. Nous connaissons la voix de notre berger. Il veut que ce matin, tu puisses écouter ce qu'il a à te dire. Et si tu as un problème, viens. Tu as un souci, viens. Tu as quelque chose qui ne va pas, viens à lui. Il t'appelle. Il t'appelle. Le bon berger nous appelle. Le bon berger t'appelle. Le bon berger va te guérir. Le bon berger va te libérer. Parce que lui, il connaît ta peine. Il connaît ton souci. Il sait que ça ne va plus. Il est celui qui guérit. Le même qui guérissait il y a plus de 2000 ans. C'est le même qui guérit encore aujourd'hui et c'est le même qui guérira encore demain. Alléluia. C'est le même qui libère. Sans doute tu as tellement pleuré. Sans doute tu es tellement fatigué. Sans doute tu ne sais plus comment faire. Sans doute tu te dis, ah moi je suis seul, le bon berger ne me connaît pas. Laisse-moi te raconter cette histoire et je termine par elle. Vous connaissez l'histoire de la brebis égarée. Tous. Cette petite brebis était toute seule. Le bon berger a fait quelque chose de merveilleux et de miraculeux dans, ta vie, dans sa vie. Il a laissé les 99 et il est allé chercher la centième. Peut-être tu te sens perdu. Peut-être tu te sens mal aimé. Peut-être tu te dis Oh, pour moi. Il n'y a personne. Or, oh, tu te dis là, je suis foutu, je n'ai plus de solution, je n'ai plus rien à faire, il n'y a plus rien pour moi. Le bombe, sache, que, sache que le bon berger ce matin vient te chercher. Il vient vers toi. Parce qu'il a entendu ton bêlement. Il vient vers toi. Il te dit Paul, Pierre, Simon, Simone, Victoire, Gabriel. Et qui que tu sois, écoute ma voix, j'arrive, je viens te libérer, je viens te délivrer, parce que tu m'appartiens. Amen, amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, mon frère, ma soeur, et penser à cet amour divin, l'amour de notre Père, qui est si grand, qui est si bon? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et penser à son amour pour nous? Pense à l'amour du bon berger. Il vient vers toi, il vient vers toi encore ce matin. Il vient te dire, aie confiance en moi. Je suis celui qui est capable de te libérer. Je suis celui qui est capable de te délivrer. Je suis celui qui est capable de briser toutes sortes de chaînes qui t'accablent tant. Je suis capable de t'accorder ce que ton cœur désire. Il dit, fais seulement, fais seulement de moi tes délices. 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 Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Oh, comprends seulement que je suis le chemin. Je suis l'unique et le seul vrai chemin. Peut-être tu as essayé de trouver des solutions de gauche à droite. Peut-être tu as essayé de trouver quelque chose qui pourrait t'apporter un peu de joie, un peu d'amour, un peu de paix. Mais peine perdue, peine perdue, peine perdue. Ton Dieu te dit ce matin, je suis celui qui t'apporte ce que ton cœur désire. Tu as peut-être couru après des bergers, mais ton Dieu te dit ce matin, je suis ton bon berger. Ne reste pas seul. Je suis avec toi. Je suis avec toi, Père Céleste. Je prie encore ce, soir, ce matin. Seigneur, pour tous ceux qui sont ici, toutes ceux et toutes celles qui sont ici. Parce que, Seigneur, nous croyons que tu es notre bon berger. C'est toi qui nous fais reposer, Seigneur mon Dieu, dans de verts pâturages. Seigneur, nous croyons que c'est toi, ta houlette et ton bâton nous conduisent. Tu dresses toujours devant nous, Seigneur, une table, Seigneur mon Dieu, en face de nos ennemis. Et tu induis notre tête afin que nous Comprenons que sans toi, il n'y a point de salut, Seigneur. Sans toi, il n'y a point de délivrance. Sans toi, il n'y a point de guérison. Sans toi, il n'y a point, Seigneur mon Dieu, de victoire. Sans toi, il n'y a point d'amour. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin dans les cœurs, dans nos cœurs, dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus. Si quelqu'un n'a vraiment pas encore connu Jésus-Christ ou reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Si quelqu'un voudrait vraiment que Jésus-Christ soit son bon berger et que Jésus-Christ soit son guide en toutes choses, je t'invite juste à lever la main. Nous prierons pour toi ce matin. Là où tu es, ce n'est pas devant moi. Tu choisis le bon berger comme ton véritable berger. Tu, sois, tu choisis le bon berger comme celui qui te guide, celui qui te guérit, celui qui te sauve. Et tu as besoin de lui dans ta vie. Tu reconnais que tu as essayé de t'égarer, mais il te dit, viens à moi tel que tu es. Lui ne te condamne pas. Lève juste ta main ce matin. Et il t'accorde. Amen, amen. Beaucoup de mains. Alléluia. Beaucoup lèvent leurs mains. Alléluia. Alléluia. Sans doute tu as besoin du pardon. Tu veux que le Seigneur puisse venir. Peut-être que tu, tu te sens tellement, tellement en peine. Tu te dis, oh Dieu, je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de toi. Je t'invite à lever ta main ce matin. Amen, amen. Beaucoup de mains aussi qui se lèvent. Oh Dieu, merci. Sans doute tu as besoin de guérison. Je te dis, le bon berger est celui qui guérit et qui pense les plaies. Le bon berger est celui qui libère. De toute forme de maladie. Il dit juste: Aie confiance en moi. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. Je suis celui qui te guérit. Aie confiance. Je suis celui qui te libère. Aie confiance. Je suis celui qui te protège. Aie confiance. Je suis celui qui te relève. Tu as besoin de lui ce matin? Alors je t'invite juste à lever ta main. Si tu as besoin de lui, Amen, 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 Dieu vous voit, Alléluia. Plusieurs mains, plusieurs personnes ont besoin de ce bon berger. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Levons-nous, levons-nous tous, s'il vous plaît. Et je vais inviter le...